Bonjour. C'est toi le beau-frère qu'on me. J'essaie un passé doit t'appeler mon beau-frère. Parce que ma femme, elle m'a dit il y a de cela 2 jours qu'il y a son frère qui arrivait. C'est toi. Il y a 2 jours, elle a créé ta lignée. Une lignée pour justifier que tu es son frère. Depuis que je suis avec elle, je ne connais pas. Je ne te connais pas. Je ne connais pas cette lignée-là. Mais subitement, tu apparais. Et tu es déjà là. Ce qui est arrivé à Jean-Claude, mon ami Jean-Claude Lamoine, je ne veux pas que ça m'arrive. Hein? Parce que je suis allé chez lui, il y a de cela quelque temps. Il m'a présenté son beau. Comme toi là. J'ai regardé son beau là comme ça. Sa femme, elle s'appelle Mathilde, une fille du continent. J'ai regardé son beau, j'ai voulu appuyer l'œil. Mais comme le blanc ne comprend pas l'œil là, et il y a un dicton qui dit entre l'écorce et l'arbre, il ne faut pas mettre ton doigt. Je suis resté tranquille. Peu de temps après, je vois le ventre commence à pousser. Le ventre commence à pousser. 9 mois après, Dieu a fait mon palabre. Les suspicions que je parlais même avec ta femme là, concernant mon ami Jean-Claude là et son beau-frère, s'est avéré. À l'accouchement, je vois un mois. Oui? Et pourtant, mon ami Jean-Claude, là, moi, il est blanc. J'ai dit ça. La science, on a voulu justifier avec la science que ça peut avoir un sur 1 milliard. Et je vois, il prend l'enfant, il dit, mon fils, aujourd'hui, l'enfant là, il s'appelle la moi j'ignore. Et ça, tu veux que ça arrive chez moi? Je ne vais pas accepter. Tu es noir. Elle est noire. Moi, je suis noir. Donc, je vais enlever le doute là, comment? Pour lui, pour mon ami, c'était prévisible, c'était visible. Mais, de toutes les façons, je veux voir clair sur cette histoire-ci. Parce que l'affaire de beau-frère ici, en Europe, là, et encore l'exemple de Jean-Claude, m'a servi de leçon. Donc, quand tu vois le serpent mordre ton voisin, même le mille pattes, quand tu le croises en route, tu esquives. Hein? Voilà. Donc, je veux voir clair dans cette histoire, dans cette maison-ci.